Eh bien, vous l'avez mis en présente la prochaine fois, le café. D'accord ? Ils ont fait des vélos, bien. Ils ont fait aussi, regardez ce qui arrive derrière pour la présenter. Ils ont fait des scooters. Hein, à l'époque, c'est vrai que les constructeurs étaient assez larges. Hein. Ils ont fait des scooters, ils ont fait plein de choses. Allez, moulin à poivre. Ah bah ça, je savais pas. Bugatti, par exemple, a fait des étaux. Eh oui. Les Peugeot, on en a fait pour faire le bien. Il est où mon propriétaire qui est perdu? Il est où? Il est là! Je te cherchais partout! Tu voyais en vrai? Ah ouais! Alors, je donne un micro, il est pas très fort, donc il faut parler fort, pas être timide, il faut carrément y aller. Ok. Carrément? Ok. Tu as une voix qui est bien. Ah ouais. Alors, pour faire vite, la Peugeot 203 a été présentée en quelle année pour le public? On n'est pas loin. 48. Elle a été présentée en 48. Elle a été produite jusqu'en, je crois, 1960. Grande carrière, belle carrière pour la 203, qui était la première Peugeot moderne d'après-guerre. Hein, oui. Chez les constructeurs, ils avaient tous un modèle dans leur carton prévu après la guerre, parce qu'après la guerre, il a bien fallu remettre les Français, notamment, sur les routes. Hein, ils n'avaient que des vieilles guimbardes qui dataient d'avant-guerre, bien sûr. Donc la 203, c'était vraiment la nouvelle Peugeot d'après-guerre. Donc présentée en 1948, mais je crois qu'elle a été vendue qu'à partir de 49, il me semble. Hein. Présentée en 48 au salon, et les premiers modèles sortis en 48. Alors celle-ci, elle est quelle année? 1951. On est vraiment dans les tout premiers modèles, en fait. Considéré comme luxe avec le 3 au grand. Luxe avec le 3 au grand. D'ailleurs, beaucoup de Peugeot à l'époque avec le 3 au grand. C'était même pas une option très chère. Non, c'est vrai, je peux te dire. Hein. Tu regardes une 403, une 203, elles ont pratiquement toutes le toit ouvrant. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Alors, pour reconnaître une ancienne Peugeot 203, il y a des... Alors, c'est quoi des flèches? C'est pour Cupidon? C'est quoi des flèches? Ah, c'est ça! Ça sert à quoi? Ah, c'est pour que les oiseaux puissent se poser. C'est ça, non? Je sais pas ce que c'est, moi. C'est quoi des flèches? Ça va être pour les clignotants pour monter quand on a à droite ou à gauche. Ah, d'accord! Ça marche? Ah oui, ça marche. Oui. Ah, bah moi, je veux les voir. Ça marche, mais. Vous voulez les voir marcher? Ah, ils veulent tous les voir marcher. Ça marche. Mais le problème, c'est que les gens, ils voient pas les flèches. Ils voient pas les flèches? Ah non? On est obligé de mettre le bras pour tourner à gauche. Par contre, à droite, je vous dis, merde. Faut être deux. Faut être deux. Ouais. On peut le faire marcher à l'arrêt ou ça marche en roulant? Ah, oui, oui. On va regarder si ça marche. Allez, côté droit. Ah ouais. Ah ouais. Et ça s'allume aussi. Une lumière, ouais. Regardez, ouais. C'est marrant ça. Vous savez pourquoi on a fait ça? Parce que la réglementation a changé. On a imposé ça aux constructeurs. Et à l'époque, quand on était sur un vélo, on tendait le bras. Donc pour les voitures, on n'a pas cherché, on dit on va faire la même chose. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais vite, on a vite trouvé d'autres systèmes plus. Mais c'est marrant. Mais c'est avec, on en voit beaucoup encore, avec... mais qui ne marche pas. Le tien marche. Avec un... C'est quoi le système? C'est un câble. C'est un câble? Voilà. C'est seulement un câble. C'est simple. Hein. Ah ça c'est trop mignon. Ouais. C'est trop mignon. Tu peux rabattre. C'est dangereux pour le cycliste qui est à côté. Hein. D'un seul coup, il y a la marge avec les ailes. Alors, il y a d'autres artifices pour reconnaître une ancienne 203. Regardez, venez avec moi à l'arrière. Les feux. Regardez, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Il manque quoi? Les feux. Il manque les feux. Oui. Parce que là aussi, là, c'est pas complètement vrai. Les feux sont là. Oui, il y a des feux. Ils sont là. Seulement, il faut les trouver. Ils sont ici, les feux. Il y a le feu de stop et feu de route. Parce que là, parce qu'à l'époque, c'était pas obligatoire d'avoir deux feux. Un seul feu suffisait. Donc là, on l'a fait à droite, un feu stop et un feu de route. Voilà. Et après ils vont immigrer sur les ailes, hein, à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore pour reconnaître une 203 première série? Le compteur de vitesse. Non, je parle de l'extérieur pour l'instant, de l'extérieur. Il y a deux choses que je vois, moi. Ça, ouais. Non, des choses plus marquantes. Bah, j'ai une petite lunette arrière. La petite lunette arrière. Alors, qui va s'agrandir après. Et à l'envers, quoi. Elle est à l'envers, celle-là. Elle est à l'envers? Oui. C'est vrai qu'elle est à l'envers. Oui, ouais, c'est étonnant. Le bouchon réservoir. Oui. Après, il y aura une trappe. Voilà, il va disparaître, on va mettre une trappe. Et dernière chose, les gouttières. Regardez les gouttières. Et dans le temps, on avait des gouttières. Ça servait à quoi les gouttières d'ailleurs? À quoi ça sert les gouttières? Perchoir pour oiseaux. Accrocher quoi?
accrocher son veston avant de partir au mariage. Ouais. Non, non. Ça servait à l'écoulement de l'eau, hein, pour que l'eau ne tombe pas sur votre tête quand vous ouvriez la porte. Donc ces gouttières, elles se prolongent jusqu'à l'arrière. Et après, eh ben, on va faire plus simple. La gouttière, elle va suivre le mouvement de la porte, au niveau de la flèche d'ailleurs. Hein, voilà. Donc c'est comme ça en gros qu'on reconnaît les premières séries, avec ces gouttières qui se prolongent sur le coffre arrière, cette petite lunette qui est très trop... Hein, j'aime beaucoup cette petite... Après la grande lunette, ça va un peu défigurer la tout voiture. À fait, tout à fait. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît. Alors les pare-chocs, c'est pareil, ils sont peints. C'est d'origine ça? C'est d'origine, je l'ai comme ça. D'accord. Avec juste un rappel en inox. Ça fait 5 mois que j'ai. Vous avez tous acheté des voitures avant les vacances. Hein. Tout le temps que je présente, hein, c'est... Une voiture refaite, mais pour tout à fait, j'en ai en fond. Ah, tu l'as acheté comme ça? Oui, mais j'ai refait des... La peinture était déjà refaite? Tout à fait, oui. D'accord. Le dessous, tous les freins, parce qu'elle est, le moteur refait. Elle est vraiment bonne. C'est vraiment rare de trouver des voitures dans cet état-là. Oui, c'est pas donné. C'est pas donné? C'est un plaisir de 50 ans. Bon. Alors, pareil, on va en parler. La cote de cette voiture aujourd'hui, pour ces modèles les plus anciens, à peu près. Dans cet état qui roule, c'est 9000 euros. C'est 9000 euros. Ouais. On peut se faire plaisir pour 9000 euros. Regardez, c'est pas excessif. On m'en a proposé pour 20 000. Pour 20 000? Ouais, ouais. Bah, moi, j'aurais vendu. Tu peux en acheter 3 ou 4. Non, mais. Alors, il faut raconter aussi, pour faire court, la 203. Donc, il y a la berline, il y a le cabriolet, il y a le coupé, qui est la plus rare de toutes, c'est le coupé, et il y a le. J'en oubliais une. Le break, j'en oubliais deux donc. Il y avait le break, break commercial et break familial. Et il y en a une autre. Des camionnettes. Décapotables. Pick-up. Le pick-up. Qu'on disait pas pick-up à l'époque. Hein. Hein. Mais c'était. Donc la 203 était moins déclinée en plusieurs versions. Voilà. Je peux m'installer là-bas. Oui, bien sûr. Alors regardez les portes, comment elles s'ouvrent. 45 degrés. Elles s'ouvrent, comme on disait, il y avait un terme pour ces portes-là. Suicide. 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 Pourquoi suicide? Parce que comment si on ouvre la porte, tu passes en dessous la porte. Voilà. Des fois en roulant, ça s'ouvrait tout seul. Après, la réglementation a imposé à un sens d'ouverture. Faites attention. Comme les deux chevaux. Voilà. Ça me rappelle sur le Dauphine, il y avait la même chose. Les premiers commodos un peu. Alors on sent bien l'air sort. Ah c'est l'air sort d'origine. Tout est d'origine. On peut ouvrir le côté pour que les gens voient. Oui, il faut. Même le verre là. Voilà. Voilà, regardez. Voilà. On est dans les années. Au début des années 50. Voilà. On a travaillé toute la semaine, on a travaillé le lundi. Ouvrir là? Non, je peux pas ouvrir. On a travaillé. Si, vous pouvez ouvrir. Tu passes le. Alors, je te laisse faire, je vais pas appuyer. Et tu tiens. Voilà. Tu relèves parce que tu vas te tenir la tête. Et voilà. Voilà. Pas évident quoi. Hein, pour faire, alors, je vais mettre là, ça sera peut-être mieux, il n'y a pas le volant. Attention, il y a des lunettes. Je vais pas m'asseoir, c'est juste pour que les gens me voient. Alors, on est dans les années 50, au tout début, la guerre est passée par là, on revit, on essaye de revivre, de reconstruire la France. Les plus chanceux ont la chance d'avoir une voiture, une 203 neuve, c'est pas donné à tout le monde. La plupart à l'époque se déplacent en vélo, hein, voire en scooter, c'est beaucoup moins cher. Et quand on a encore un peu plus d'argent, c'est en voiture d'occasion. Mais une voiture comme ça, il faut un notable souvent pour se payer ce genre de voiture. On est en 1951. Monsieur travaille toute la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, j'entends pas la suite. Hein. Le vendredi, et oui, le samedi. Le seul jour de repos qu'on avait, et encore, c'était le dimanche. Et moi j'en ai connu beaucoup qui travaillaient quand même le dimanche. Donc le seul plaisir qu'on avait cette voiture, parce qu'on avait rarement travaillé avec sa voiture. Hein. Le week-end, on disait pas week-end, on disait le dimanche on sortait la 203 et on allait où? On n'allait pas très loin en général. On allait où? Quand on était en Bretagne, ici à Rennes, on allait où? Bistrot? À la messe. À Rennes, dans les années 50, la première destination des Français, c'était où? Cherchez pas très loin, c'est tout simple. Attends, on allait où? Les jeunes là-bas qui m'écoutent, on allait où? À la Cousson. Hollande à Pignier. Eh bien, on allait en forêt de Rennes. C'était la première destination des Français. C'était le dimanche, aller se promener
en forêt de Rennes. Après, quand il faisait beau l'été, on allait jusque sur la côte, hein, Saint-Malo ou au sud, vers la Baule. Mais c'était surtout la forêt de Rennes. Voilà. Aider les écluses. Voilà, on allait là. C'est là qu'on voyait ces voitures-là garées au bord de l'eau. Peut-être, je ne peux pas dire. Bah, à l'époque, c'était en Daphné, je ne pense pas que c'était aussi... Et on faisait quoi le dimanche au bord de l'eau? On faisait quoi? On faisait la pêche. Madame a tricoté à côté. Elle faisait son canevas. Et on pique-niquait. Et quand la pêche avait été bonne, on mangeait le poisson. Et encore quand elle était bonne. Hein. Voilà. C'est juste un petit résumé pour vous remettre la voiture dans son contexte d'époque. Voilà ce qu'on faisait au début des années 50. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et que c'était des plaisirs simples, mais savoureux. Voilà. Je viens descendre sans écraser les lunettes, monsieur. Alors cette voiture, elle est superbe. Hein. On a un compteur, regardez. On a un compteur central, ça c'est les premières séries. Assez. Et deux boîtes à gants. Oh là là. 50, 49, 51. Voilà. Après, le tableau de bord va émigrer en face le pilote. Et on pourra mettre après un autoradio central. Et ça, c'est un grand luxe, hein, c'est l'autoradio à lampe. Et ta batterie, elle est cuite. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 203. Bah, comme on regarde une dernière chose, c'est son moteur. Parce que c'est les Peugeot, contrairement aux Citroën, elles étaient fiables. Je vais pas tirer le coup des citroënistes qui vont me tomber dessus. Bah, alors là. C'est parce que. Ah, il y a un citroëniste. C'est faux ce que tu dis. Alors les Peugeot. Laisse-moi dire mon jeu, les Peugeot, quand ils étaient mis sur le marché, elles avaient été déjà. Elles avaient roulé, elles étaient hyper fiables. Il y avait, en principe, on achetait une Peugeot pour sa fiabilité, hein, pas pour ses performances. Au niveau performance, c'est pas terrible. Hein, on a une quatrième qui est surmultipliée, mais c'était surtout pour la fiabilité, contrairement aux autres constructeurs de l'époque. Donc c'est un 1300. Un 1300 avec une culasse en Alpax. Une culasse en Alpax qui vit assez mal en général. Nous, les jeunes culasses qui peuvent poser des problèmes sur des voitures qui n'ont pas beaucoup tourné pendant des années. Mais sinon, c'est des voitures fiables, sans problème. On peut partir en vacances où on veut, n'importe où, pas très vite, mais sans souci particulier. Un gros radiateur. Alors, à l'époque, toi, tu l'as plus. À l'époque, regardez, qu'est-ce que vous voyez dans les ailes? On a deux emplacements de batterie. Oui. Pourquoi on a deux emplacements de batterie? C'est deux batteries de 6 volts. Il est bien lui. Hein. Mais oui, on avait deux. Parce que c'était une 12 volts, on avait deux batteries de 6 volts. Et pour répartir, on avait une batterie de 6 volts ici, une batterie de 6 volts ici. Ce qui faisait 12 volts. Voilà, aujourd'hui on met une simple batterie de 12 volts, et c'est compliqué de retrouver des batteries de 6 volts. Mais à l'origine, c'était deux batteries de. Alors on a vu le moteur. On a beaucoup de choses à raconter sur le moteur, c'est tellement fiable, c'est pas un problème. On va regarder la malle. Ouais. Qui est aussi chargé que la boîte à gants, en fait. Non? Et ça, c'est quoi ça? Ça, pour le public? C'est une tête de lion. Et c'est quoi le lion? Pourquoi Peugeot a choisi le lion? Peugeot se trouve où? Dans quelle région de France, madame? Sochaux. Sochaux, vous connaissez? Le musée de Sochaux. Et il y a le lion de Belfort, et c'est pour ça que Peugeot a pris cet emblème. C'était pour rappeler le lion de Belfort, vous voyez, hein, la culture, ça se travaille. Voilà. Le coffre. Alors pour le coffre, c'est là. Ah, c'est là. Non, c'est là. C'est pas là, c'est là, le coffre. Je vais vous montrer. C'est une trappe. Ah, c'est marrant. Ah, ça, je savais pas. Je croyais que tout connaît le 203. C'est une trappe avec un câble. C'est un piston. Toutes les 203 sont équipées pareil. Ah, je savais pas. Sinon, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Je pense qu'après, ça a été modifié. Ils avaient une. Voilà. Ah, avant que tu ouvres, regardez le numéro à l'époque, c'était comme ça souvent. C'était tampon même. C'était des tampons qu'on mettait. Le coffre. Voilà. Alors, le coffre, regardez la profondeur. Comment, bien sûr, il y a la roue de secours. Et dessus, vous pouvez en mettre quand même pas mal. Voilà. Hein, on peut partir. Tout ça. On peut partir, voilà, c'est ça. Vous avez juste la goulotte là, d'essence qu'on voit ici, oui. Hein, qui passe là, qui prend pas mal de place. Les évacuations d'eau, c'est des tuyaux. Les évacuations d'eau,
Où ça? Montre-moi. Ah, ici, le tuyau d'arrosage que tu as mis, d'accord. Ok. J'avais même pas vu, toi. Non. Tu l'es pas en noir, ça se verra pour moi. Voilà. Donc c'est assez simple. Une voiture simple, mais fiable. C'est ce que les Français voulaient. Et avec les Peugeot, c'était sans problème. On voit très bien l'éclairage de plaque, là aussi. Oui. Qui fait pas toute la largeur, c'est assez original aussi. Ouais, c'est pour pas, hein? C'est pour les photos. Ça. C'est pour les photos. Enfin, juste que rien. Voilà. Comment vous la trouvez cette 203? Jolie, hein? Impeccable. Ouais. Pas mal, hein? Alors cette voiture, c'était de la classe moyenne, on appelait ça à l'époque. Vous savez quand ils ont sorti la 204? Elle avait la même habitabilité, je parle bien à dire, que la 203. C'est fermé. Beaucoup autant de place. Ouais, c'est fermé. Ah, ouais. Regardez à l'arrière. On a de la place pour les jambes, mais c'est un peu étroit en largeur, dû à la forme de la voiture. Oui. D'ailleurs, la forme de la voiture, elle est inspirée de quoi? La forme. Elle est inspirée des voitures américaines. Oui, l'avant surtout. L'arrière aussi, des années 40. D'ailleurs, quand on regarde une 4 chevaux, regardez, on a une petite 203. Hein. On a la même forme sur la 4 chevaux que la 203. C'est la forme inspirée des voitures américaines des années 40. Voilà. On peut l'applaudir quand même, cette belle 203 de 1951. Alors 1951, on en voit pas beaucoup. Hein, on n'en voit pas beaucoup. Si de 203 on en voit, mais de cette époque-là on n'en voit pas beaucoup. Oh. Surtout de cette couleur-là. Oui. Une couleur peut-être d'origine. Oui. Un vert, je ne sais pas comment on peut le définir. Un vert. Non, je ne sais pas. C'est un vert. On va pas dire. Si c'est un peu kaki, on va dire kaki, ça. Il n'y a pas d'honte à le dire. Hein. C'est vibration, c'est bien. Voilà. Avec les ailes noires, j'avais pas vu. Oui. Et des rebris sur les ailes, on pouvait rajouter. Oui. Vous savez qu'à l'époque, on pouvait déjà personnaliser ça. Avec des petites choses comme ça. Hein. Ça servait de protection pour les ailes. Et c'était, ça habillait ça à la voiture. Regardez, ça c'est des rebris. C'était vendu en accessoire. Regardez, vous avez un autre là, ici, un petit rebris. Voilà, il n'y a pas grand chose, là aussi. Ça donne un cachet à la voiture. Voilà, on va laisser repartir. Hein, on va le remercier. Merci d'avoir présenté cette voiture avec nous. J'espère qu'on t'a pas trop retardé. Non, pas du tout. Non. Et vous pouvez l'applaudir. Merci à lui. Comme il